ekolo ya biso Congo démocratique bituka biko kopesa maboko okati ya mbula matari ya ekolo mpona ntina kosala misala miike kotombola misala miike bituka biko kopesa maboko oyete misala mikende oboso misungama na lolenge elongobani na yango biso banso tozali awa kozwama na biso ezali be kaka mpona kotalisa banki eye etongami na ndenge mokambi ekolo yeme félix antoine tseke tulombo azali koya tozali kozila ye lolenge elobisa bino ete azali na kompani kasese kosolola na bakambi bakompani ena mpona ntina mayi matali bobembani bwa sika omayi matali kompani ya makele matalo okati etuka ya lwalaba kosunga mabotama moso mokambi ekolo alongo kuna tokozala na ye awa mpona kokamba molulu mwa bofungoli bcc ya lwalaba na litomba ya bana lwalaba naino mpe na litomba ya bana ekolo congo démocratique françois bola namoni kozali wana mathieu merci beaucoup madame monsieur nous sommes toujours ici au siège de la banque centrale du congo nouveau siège construit ici dans la province du lwalaba Le podium est déjà bien rempli, bien organisé. Tout le monde attend l'arrivée du président de la République pour inaugurer ces installations nouvellement construites. Patrick, vous qui venez d'échanger avec le protocole, je ne sais pas si vous avez des informations fraîches sur le niveau où le chef de l'État est arrivé, parce qu'on l'attend pour finalement clôturer cette cérémonie. J'ai vu dans le podium les élus nationaux, le gouvernement provincial du Lwalaba qui est déjà là, les experts en finance, les conseillers du gouverneur. Donc tout le décor est planté finalement pour que cette cérémonie ait lieu, Patrick. Le décor est bien planté, François, il faut le dire, mais justement, vous venez l'évoquer, l'arrivée du président de la République est imminente. Le chef de l'État, il faut le dire, a traîné de côté de mille parce qu'on nous informe qu'il a fait deux visites qui n'étaient pas du tout programmées parce qu'il veut avoir des réponses à ses questions. Et finalement, il a voulu poser des questions et avoir des réponses. Il est allé dans les bureaux, il est même descendu, on va certainement voir les images dans les prochaines heures, il est descendu même dans les sites d'exploitation pour voir exactement ce qui se passe et se poser de vraies questions pour avoir de réponses. Et tout, il va globalement de sa question de savoir à qui profitent les richesses de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'il faut du temps pour cela, il faut se poser des questions parce que le chef de l'État, pour prendre des décisions, on le sait, il doit avoir une vision à pratiquement 360 degrés, comme ce fut le cas avec la situation de la sécurité dans la partie est du pays. Pour prendre la décision de l'état de siège, il lui a fallu avoir les explications de tout le monde, avoir faire de consultations, poser de questions, avoir de réponses. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire exactement ici à Kolwezi. Et nous attendons son arrivée ici pour l'inauguration de ce bâtiment, ces imposants bâtiments, comme on vient de le dire, avec les détails. Je crois que vous allez revenir un tout petit peu sur les détails de ce bâtiment avec plusieurs salles et des locaux. C'est très important d'avoir ces genres de bâtiments finalement dans la ville parce que ça donne une autre image au-delà. Des employés qui travaillent dans des meilleures conditions. Ça donne également une très bonne image de la ville. On se dit, bon, finalement, on a quand même de villes modernes parce que quand on construit ces genres de bâtiments, vous avez vu devant, il y a également une chaussée. Donc ça suit, les infrastructures routières également suivent et c'est le développement également parce que s'il n'y avait pas par exemple de l'électricité de ce côté, les quartiers environnants, c'est sûr qu'ils auront maintenant de l'électricité parce qu'ils vont profiter des installations de la Banque Centrale. Et s'il y a ce genre de bâtiments un peu partout dans la ville, finalement la ville se développe sans beaucoup de force. Donc je crois que c'est important pour le chef de l'État d'accompagner ces genres d'initiatives comme tu viens de le dire tout à l'heure. Et si ça se multiplie, ça sera le bonheur de Congolais, Françoise. Voilà, comme tu l'as sollicité, je voudrais revenir sur quelques informations que nous avons obtenues sur le bâtiment. C'est plus ou moins 5000 mètres carrés, l'espace ici qui était mis à la disposition de la Banque Centrale par le gouvernorat provincial du Lwalaba depuis 2018. Et sur ce site, trois bâtiments
ont été construits et les travaux ont débuté en 2019, c'était au mois d'avril. Si on peut rapidement donner quelques informations sur les infrastructures, il y a un bâtiment administratif composé par un hall, des guichets, d'un local informatique, d'une salle de comptable avec des salles de fouilles, d'une salle d'attente pour différents clients, du bureau, il y a du vent qui font bouger nos papiers, voilà, du bureau, du chef d'agence, des sanitaires, des espaces de bureau, du rez-de-chaussée et au niveau de l'étage, une salle de conférence, une salle des réunions, une bibliothèque, des espaces de bureau au sous-sol et quatre grandes chambres fortes, un local, j'espère que je vais arriver à lire ce mot, performatrice. Voilà, donc les termes sont techniques mais bon. Je suppose que les initiés comprennent ce que ça voudrait dire. Nous, ce qui nous attire, c'est cette envie finalement de ressembler à une province dotée des institutions fortes, des institutions qui vont à la fois avec leur arrivée créer des emplois. Je suppose que les Congolais vont travailler ici pour fabriquer la monnaie nationale. C'est une fierté qui revient aux Congolais qui ont étudié, parce que j'ai aussi enregistré des plaintes des mamans autour du rond-point qui m'ont dit mais nos enfants ont étudié et n'ont pas d'emploi. Il y a aussi ce problème-là, mais je crois qu'ici, ce serait rigoureux, on ne prendrait pas n'importe qui, mais des Congolais qui ont la capacité, qui ont étudié, pourront bien être engagés ici pour travailler. Et quand quelqu'un travaille, vous savez qu'autour de lui, il y a plusieurs personnes qui tirent profit de son travail, non seulement de la dignité, mais de ce qu'ils gagnent, et c'est la fierté. Les Congolais qui n'ont pas chaque fois besoin de s'exiler avec la fuite des cerveaux, parce qu'il n'y a pas d'emploi qui rémunère bien, des emplois de qualité. Donc il faudrait vraiment mettre tout cela dans le paquet pour rendre aux Congolais leur fierté, leur dignité. Je crois qu'ils en ont vraiment besoin. Cette province, selon ce qui nous a été dit, nous avons aussi vérifié cela, il y a beaucoup plus de produits importés, consommés, jusque dans les assiettes. C'est pas que ici, on sait vérifier ça aussi, c'est un problème, je pourrais dire, national. Ils sont proches de la Zambie, de l'Angola, et le maïs vient de l'Angola, vendu moins cher que le maïs produit ici par les paysans. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de charges, à mettre sur le dos de la production. Tout ceci, on doit jeter un regard important pour subventionner ce qu'il faut. Finalement, que le Congolais s'autosuffise pour mettre un terme avec cette dépendance. La Covid nous a donné la leçon, Patrick. Quand toutes les frontières étaient fermées, je n'ai pas vu quelqu'un se refuser de manger les poissons fumés ou les ndakala ou tout ce que nous avons ici, des produits bio d'ailleurs recommandés, hein, ce qui nous a été recommandé au lieu de consommer des surgelés. Un pays qui a des fleuves de tous les poissons, le fleuve le plus poissonné du monde, nous vivons de l'exportation des chinchards et tout ça à des prix inimaginables. On se dit mais finalement qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ces questions-là ne peuvent pas être résolues pour finalement rendre au Congo, aux Congolais, la fierté qu'ils méritent? Donc moi je ne peux pas comprendre que des gens qui sont assis sur des mines d'or croisent les bras, n'ont pas des routes, n'ont pas des idées pour construire en joint venture avec les investisseurs étrangers qui peuvent prendre en charge la construction de routes. Il y a des routes de dessertes agricoles qui peuvent rapidement ramener dans le centre de consommation des produits de nos champs, produits par nos paysans. C'est aussi le problème. Je crois que tout ce paquet-là, il faut y aller de manière intelligente, mettre toute l'énergie pour finalement que le Congolais s'autosuffit de manière... Sur la route qui mène vers les mines du Lualaba, le chef de l'État a parcouru des kilomètres pour voir à quoi ressemblait la vie de population vivant près de sites miniers. Félix-Antoine Tshisekedi s'est arrêté une première fois aux installations de Kamoto Copper Company KCC où il recevra des explications
sur le traitement de minerais. Et de là, nous l'obtenons sous forme de sel. Ça, c'est l'hydroxyde de cobalt. Ça, c'est l'hydroxyde. L'hydroxyde de cobalt que nous produisons. Et après, on transforme encore. Celui-ci, nous l'exportons comme tel. Ça, c'est le produit prêt pour l'exportation. C'est avec ça qu'ils fabriquent maintenant de la batterie. C'est ça. Rien que ça. Donc, il ne faut plus le retransformer de nouveau. Donc là, il est quasi fini. Il est prêt pour être utilisé dans la fabrication. Accompagné du Premier ministre, de la ministre des Mines et du gouverneur ad interim du Lualaba, le président de la République a voulu tout savoir des bâtiments aux mines à ciel ouvert, en passant par le traitement des employés locaux. De la direction de KCC, le cortège a pris la direction de la sino-congolaise de mines. Bienvenue, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le président. Félix-Antoine Tshisekedi a le temps de recevoir des informations sur le mode de traitement des minerais par la firme chinoise avant de s'attaquer aux vrais problèmes sociaux, sans langue de bois. Tout le long de la route en venant ici, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas... C'est le partenariat avec vous, je le veux comme ça. Donc c'est-à-dire, nous on construit grâce à vous, à notre partenariat, des écoles, parce que vous voyez, la ville elle est totalement déserte, il n'y a rien. Donc il faut qu'on construise des choses grâce à ce partenariat. Et donc nous on prospère et vous prospérez. Il ne faut pas que le jour où notre collaboration va se terminer, nous on reste avec des cadavres. Les responsables de cette entreprise, qui ont présenté au chef de l'État quelques projets sociaux sur maquette, ont été conviés par celui-ci à coopérer avec les autorités provinciales pour connaître les vrais besoins des populations. Les conditions de travail de ses compatriotes dans les mines, une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Nous faisons du partenariat. Dans ce partenariat, les Congolais doivent être épanouis, les Chinois aussi, c'est ça l'amitié. Donc si vous n'êtes pas content dans vos conditions, dites-le nous, on demande à nos amis d'améliorer vos conditions de travail, c'est tout. Merci président, merci président, merci président. Après la Sicomine, le chef de l'État est allé dévoiler la plaque d'une nouvelle usine de traitement de minerais appartenant à l'entreprise Kamoto Copper Company, KCC. Quelques mots sur ces nouvelles installations et le cortège du chef de l'État s'est dirigé à nouveau vers le centre-ville. Le soleil avait déjà disparu quand le cortège présidentiel est arrivé devant le nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo qui attendait son inauguration. Le chef de l'État a sans tarder procédé à la coupure du ruban symbolique avant d'être invité avec sa suite à visiter l'intérieur des bâtiments guidés par le gouverneur de la Banque centrale, Deo Gracias Mutombo Mwananyembo. Le Lualaba, qui dépendait jusqu'ici de la province du Haut-Katanga, a désormais ses propres bâtiments de la BCC. Construits sur 500 mètres carrés, les trois bâtiments qui répondent aux normes internationales en la matière comprennent, au-delà de pièces administratives, quatre chambres fortes et un espace broyeur. Le président, visiblement content de cette réalisation, a émis le vœu de voir ce genre d'infrastructure se multiplier dans cette province et à travers le pays. C'est donc au terme de cette cérémonie que Félix-Antoine Tshisekedi a quitté Kolwezi en promettant. Monsieur le président, les femmes africaines en général et les femmes congolaises en particulier espèrent en la création de l'UAFAM pendant votre mandat. Oh Congo, mon pays, oh Congo, ma patrie, sol de mes ancêtres, sol de mes aïeux, nation bénie de Dieu, nation choisie de l'Éternel, tu as tout donné à tes habitants, végétation, minéraux, relief, que vive la province du Lualaba, que vive la République démocratique du Congo, que vive le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Tout ce que nous avons dit pendant toute l'après-midi, c'est tout le problème étalé. Ces deux jeunes filles ont étalé le problème de la République démocratique du Congo, du problème, avec beaucoup d'émotion, du problème et au début de la solution.
Parce que après avoir expliqué que le pays est le président de la République, après déjeuner, là. Non. Je tenais aussi à vous remercier d'avoir enterré mon grand-père. Pardon? C'est qui ton grand-père? Papi Casimir. Ah, ok. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, c'est vraiment... Merci beaucoup. Hein. Merci. Ouais. Et félicitations. Merci. Hein? Oui. Allez, merci. Merci. Qui ont une sainteté dans ce qu'elles disent, elles sont spontanées et vous sentez le courage, le trac, mais elles sont déterminées à faire parvenir leur message au président de la République. C'est émouvant. Et des enfants, des jeunes filles de 11 ans, résumer cette pensée au chef de l'État et être capable de transmettre les messages de toute une génération qu'elles représentent, elles sont à féliciter. À féliciter, François. Ce qui me fait plaisir, c'est que, j'étais en train de le dire, elles ont posé le problème. Et elles comprennent également qu'il y a un début de solution. Elles ont parlé de l'avènement du président de la République et de tout ce que le président a déjà commencé à faire depuis qu'il est au pouvoir. Et les femmes étaient en l'honneur. Vous les femmes, je suis d'ailleurs très heureux de partager aujourd'hui cette antenne à vos côtés. Un plaisir que je partage également avec Mathieu et tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, Françoise. C'est très important de le dire dans ce sens-là. C'est très beau quand les gens commencent à comprendre que le pays peut se développer avec une volonté politique qui est aujourd'hui manifestée par le président de la République et une volonté de bâtir qui vient également du peuple, parce que finalement, il ne fera pas tout. C'est le peuple qui doit construire son pays avec les idées qui viendront, qui seront dirigées par le commandant suprême de forces armées, garant de la nation. François, c'était un très grand plaisir d'entendre ce poème. Franchement, je suis très ému. Au fond du cœur, ça fait du boom. Quand vous voyez de petits enfants, de petites filles expliquer le pays. L'innocence de ces enfants, c'est ce qui touche beaucoup plus. Et elles voulaient arriver jusqu'au bout de leur poème. Après que l'une d'elles a balbutié un moment, mais c'est le courage de terminer. Complexe de la banque centrale. Merci, voilà. On vient de suivre le protocole qui met un terme à cette cérémonie avec les visites des différents compartiments, des bâtiments. Mathieu et Patrick, c'était un plaisir pour moi de partager ce plateau très détendu. On est là depuis le matin sans se fatiguer. On a changé. Ici, on me dit qu'on est dans le territoire de Muchacha. C'est ici qu'on vient terminer ce séjour de travail du président de la République. Je remercierai jamais assez tous les techniciens, tous les héros dans l'ombre, les professionnels de la RTNC, Clément, Mbungu, Sam, Yala, qui ont tenu la maintenance. Merci à Pompon Oumba qui avait la caméra légère, qui a sillonné toute la ville et vous verrez le travail impressionnant. Donc, merci beaucoup, chers confrères. Avec plaisir, nous allons poursuivre ce travail partout où la République aura besoin de nous. Nous remercions encore une fois nos autorités qui ont placé la confiance à ces jeunes de la RTNC très professionnels qui ont permis la nation à suivre en temps réel cet événement. Grand merci à notre DG Ernest Kabila et nous tirons le chapeau pour le nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya-Katembe, pour son dynamisme. Et on espère que ça ne va pas s'arrêter là et que le peuple sera toujours servi et à tout moment. Merci beaucoup de votre fidélité. On vous retrouve très très prochainement, toujours avec le même plaisir. Oh,